Alors, on va maintenant passer à notre premier panel, premier atelier, qui a pour thème comment le contexte actuel, en parenthèse, protectionnisme, intelligence artificielle, géographie, environnement, santé, etc., transforme-t-il les organisations internationales? Et pour ce panel, nous avons un conférencier principal qui est M. Ferry de Kerckhove. Est-ce qu'il est avec nous? Oui. 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 Ah, bonjour Ferry. Je suis content de vous voir. Aussi. Alors, M. Ferry de Kerckhove est conseiller directeur en matière de sécurité, femmes et paix, et professeur à temps partiel à l'École supérieure d'affaires politiques internationales de l'Université d'Ottawa. Comme on a dit, vous avez tout son long CV disponible en ligne. Le titre de sa présentation sera Les organisations internationales et la légitimité de l'action multilatérale, défi de renouveau dans un monde bouleversé. Sa présentation sera suivie de trois intervenants qui pourront soit revenir sur certaines questions ou nous parler de ce qu'ils ont fait ou feront dans l'avenir. Alors, Ferry, je vous passe la parole. Merci, merci pour l'invitation qui m'honore. Comme on n'a que 15 minutes, vous comprendrez que je considère avoir fait toutes les salutations et les remerciements que l'on fait normalement dans des conférences. Troisième point, c'est de dire maintenant que Louise Fréchette a tout dit, je ferais peut-être mieux simplement de me taire et d'aller prendre un café. Mais néanmoins, d'abord, je vais remercier la COVID, c'est rare. Pour le report de la conférence, parce que ça nous permet d'avoir cette conférence le jour justement de l'intronisation de Joe Biden, ce qui est quand même énorme, d'autant plus que pour dans le monde entier, ça représente un certain soulagement, mais c'est un genre de soulagement qui intervient après un tremblement de terre avec une grande partie de la maison à reconstruire. Et je crois que c'est ça qui nous mobilise aujourd'hui. Alors, Biden, justement, il y a 2, 3 semaines, avait dit, bon, voilà, nous allons mener à nouveau le monde. Je crois que ce serait commencer à essayer de rebâtir la confiance envers les États-Unis, renouer les liens essentiels avec les partenaires qui ont été finalement ignorés pendant 4 ans, rétablir véritablement les liens transatlantiques, retrouver au fond une langue commune qui a disparu pendant 4 ans. Et c'est vraiment, et là je rejoins Louise évidemment, redécouvrir la pensée et l'action multilatérale, ça c'est clair. Alors, oui, ça la vaut la peine, plus encore, je dirais même que c'est existentiel, mais il faut le faire avec une conviction que tous ne partagent pas, et c'est tous qui ont profité énormément de ce que j'appelle le langage trumpien. Alors, je commence par un constat rapide des dégâts, mais je vous rappelle qu'il y a 50 ans, Hans Morgenthau évoquait, au sortir de la guerre, une révulsion mondiale contre le monde tel qu'il existe. Et je me demande si on n'est pas encore dans un régime de plus ça change, plus c'est la même chose. Alors, je vais peut-être heurter les sentiments, mais j'ai l'impression, premier dégât, qui est bien avant Trump, c'est le chapitre 7 a plus ou moins succombé en Libye. Deuxièmement, la responsabilité de protéger en a été la victime, puisque beaucoup de gens ont parlé plutôt du droit d'intervention que la responsabilité de protéger. Les vétos russes et chinois ont mis fin aux interventions humanitaires, et pourtant, l'Afrique reste quand même le plus grand consommateur des opérations de maintien de la paix ou opérations de paix parce qu'il n'y a pas de maintien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, il ne reste plus que 13 missions de paix, et ce n'est certainement pas parce que le monde est plus pacifique qu'avant. Bien des conflits ne sont plus véritablement l'apanage de l'ONU, qui y sont plutôt marginalisés, ont un rôle mineur, bien qu'on le considère quand même essentiel. Alors, on est passé donc du multilatéralisme conquérant, un peu comme Louise le disait, au doute existentiel. Alors, l'ordre international auquel on se réfère chaque fois, il est battu en brèche, le délitement démocratique est jusque dans nos murs, puisque nos voisins du Sud sont en train d'essayer de rebâtir leur propre démocratie, c'est quand même très lourd. Alors, il y a 4 ans, en 4 ans, et la présidence trumpienne a accéléré, si vous voulez, la bascule
circule de l'Atlantique au Pacifique comme centre, le centre nerveux de la planète, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais Trump n'est pas le seul coupable. À la base de tout le délitement, je crois qu'il y a une espèce de crise de confiance face aux inégalités socio-économiques et politiques, et c'est au fond la crise numéro un de l'Occident. Et il faut se rappeler que la crise de 2008 a remis en cause le modèle occidental, et ça fait 12 ans que ça dure, en faveur d'une économie dirigée et d'un pouvoir autocratique. Et ça, ça va à l'encontre, évidemment, de 1945 et la fondation de l'ordre international. Or, la question se pose, est-ce qu'un monde multipolaire, c'est un mal? Finalement, c'est une question qui est un peu stupide, parce que si ça existe, il va falloir s'adapter, et il y a une gestion qui est requise de cela, et ça pose tout le problème de la relation, notamment avec la Chine. Alors, l'ONU est-elle pertinente? D'abord, je trouve que c'est une question stupide, mais on la pose régulièrement. C'est à l'aune de son histoire et de sa contribution, l'ONU reste absolument fondamentale. Mais il n'y a pas de l'ONU est. Comme s'il s'agissait du maître du monde, et Louise nous l'a rappelé, l'ONU c'est quoi? C'est avant tout le regroupement de tous les pays du monde, une organisation qui, même si elle a une charte commune, et qui est un dénominateur commun, mais cette charte fait encore aujourd'hui face à des interprétations souvent totalement différentes des obligations qu'elle crée. Alors, on a encore une fois un bouleversement, je crois, des valeurs, ça c'est indéniable, et une incertitude à tous les niveaux, allant jusqu'au plan civilisationnel. Je dirais Huntingtonien, bien que Huntington, bien qu'il écrit des belles choses, n'a jamais mis les pieds dans aucune des régions dont il décriait le délitement civilisationnel. Il y a aussi quand même l'insertion croissante de la religion dans la politique, et c'est une question sur laquelle il va falloir plancher. Je sais que c'est très sensible, mais il faut s'en rendre compte. La loi Barranger en 1900 en France devrait être répétée à l'échelle du monde, ce serait un bienfait. Alors, on vit dans une espèce d'absence de repères, d'une crise de leadership, quels que soient les leaders. C'est au fond les rapports entre gouvernants et gouvernés qui est cassé, qui est rompu. Et si vous voulez, on vit dans un domaine d'instabilité politique pratiquement permanent, et le phénomène, et ça avec Trump ça a été massif, le phénomène de messages alternatifs conspirationnels. Alors, il y a un autre phénomène qui me surprend et qui mobilise, notamment sur le plan multilatéral, c'est qu'au fond, et c'est ce que j'appelle... l'histoire qui rattrape la géographie ou la résurgence des irrédentismes. Les insurrections d'aujourd'hui s'inspirent encore des injustices des traités de Versailles, de Sèvres, enfin, ce qui provoque encore plus une fragilisation des États. Et bien que, évidemment, le monde arabe, créé beaucoup plus par les Français et les Britanniques que par eux-mêmes, reste l'épicentre de l'instabilité, l'héritage géographique de Staline dans l'après-Union soviétique est responsable en grande partie des remous en Asie centrale et au-delà. Et encore, et Louise l'a rappelé de sa façon, la division coloniale de l'Afrique par l'Occident en États qui, souvent, ne sont aujourd'hui des nations que de nom, est cause du chaos dans des États multiethniques, multireligieux et multilingues. Je sais que ce n'est pas bien de parler de dictateurs passés, mais c'est ce que Blaise Compaoré m'avait expliqué en ce qui concerne son propre pays, le Burkina Faso. Alors, on fait face donc à une crise institutionnelle dans les États et dans l'univers multilatéral qui mène à des rejets nationalistes, comme on a vu avec le Brexit. Alors, est-ce que cette instabilité est créatrice? Je suis évidemment un peu sceptique, mais j'en reviens aux Nations Unies parce que j'ai eu le plaisir de vivre le sommet de 2005, Louise y était également à cette époque-là, sur les objectifs du millénaire, et je pense à l'espoir qu'avait engendré le rapport du groupe à haut niveau sur les menaces, les défis et le changement,
et l'admirable réponse de Kofi Annan dans son fameux triptyque « À l'abri du besoin, à l'abri de la peur et vive dans la dignité ». Vision admirable, et je ne pose, est-ce qu'on peut renouer avec l'esprit non tant d'une réforme des Nations Unies, et ça je renchéris sur Louise, qu'un réengagement des États, car c'est ça qui compte. Alors, si vous voulez, un passage obligé dans ce contexte-là serait le passage de la reconnaissance des enjeux mondiaux en une action concertée qui se traduirait par, je m'excuse, j'imite Trump, « Make the world great again », comme pour la crise du climat. Alors, il y a l'Alliance pour le multilatéralisme dont on parle assez souvent, dont le motto n'est pas très riche, parce qu'au fond, il nous ramène à la case départ, c'est à la notion d'un ordre multilatéral fondé sur le respect du droit international, la seule garantie fiable pour la stabilité internationale et la paix. C'est très joli, mais ce n'est qu'un point de départ. Car de nos jours, la crédibilité de l'action et des organisations multilatérales exigent bien davantage, notamment, et je crois j'en mettrai 5 points. Premièrement, la confirmation de la légitimité du pouvoir qu'elles exercent, qui est une question au cœur, par exemple, du modèle européen. Deuxième point, l'acceptation de la finalité de l'institution multilatérale, c'est-à-dire ses objectifs juridique, de sa structure, de ses ambitions, de ses politiques. Troisièmement, l'accommodement, et c'est très important à notre époque, l'accommodement des angoisses identitaires que dans l'anonymat multilatéral. C'est un peu clair de parler de l'anonymat multilatéral, mais je crois que cette dimension identitaire, les angoisses identitaires doivent être prises en compte. Quatrièmement, l'acceptation d'un multilatéralisme multiforme à vitesse et intégration variable dans ses géographies, dans ses fonctions, ses ambitions, ses densités et ses moyens, parce que one size doesn't fit all. Alors, il y a cette notion de définition de ce qu'est le multilatéralisme dans ses fondements. Je crois, et dans les dernières questions à Louis, il en était question, la reconnaissance, si vous voulez, de certaines concurrences qui sont à gérer, des rationalisations à effectuer et une coordination meilleure à susciter vu le nombre d'instances de fiefs multilatéraux dans bien des circonstances. Je me souviens au Pakistan, quand j'y étais comme haut-commissaire, la pléthore d'organisations onusiennes, tant Islamabad qu'à Peshawar, était à rendre fou et la coordination était presque impossible à réaliser, au point que c'était un groupe d'ambassadeurs qui était chargé d'aider la coordination entre missions des Nations Unies, ce qui est assez inquiétant. Et je crois que ça, il va falloir, Louise a dit un peu comment on pourrait le faire, mais je crois qu'il faut reconnaître sur le terrain que c'est devenu un problème, même si le patron du PNUD est généralement le coordinateur, s'il n'a pas l'autorité voulue, ça ne marche pas très bien. Dernier point sur ce plan-là, la rationalisation des mandats multilatéraux, qui rejoint un peu le point précédent, au plan là, géographique, fonctionnel, économique et politique, parce qu'on ne peut pas faire du fourre-tout. Alors, si vous voulez, en conclusion, et j'espère avoir respecté le temps, la légitimité de l'action multilatérale est à ce prix un monde, on le voit, qui est inquiet, qui est soupçonneux, qui est incertain et voire hostile. Alors, l'ONU, battue en brèche, reste le socle du multilatéralisme, absolument incontestable, mais elle ne peut être qu'un seul lieu de rencontre. Sa réforme, je reviens à Louise, passe par la réforme des États et de leur perception du multilatéralisme, d'où la nécessité, selon moi, d'un espèce de concordat fondé notamment sur les 6 points évoqués ci-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une espèce de ligne de fond là, sur la réforme des États. Je pense qu'on va garder nos questions pour après avoir entendu nos 3 intervenants qui peut-être eux-mêmes reviendront sur un certain point que vous avez si bien, si avec beaucoup d'éloquence, expliqué, Ferry.